Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine. Voilà, après un petit week-end à la mer en famille, ça nous a fait du bien. En plus, j'adore la mer à l'arrière-saison. Je trouve ça trop agréable pour aller se promener. Donc on a bien profité. Et puis bah, maintenant, c'est reparti pour la semaine. Et j'en profite pour démarrer ce vlog avec un nouveau livre. Voilà, j'ai commencé ce livre-là ce week-end. Voilà, et comme vous pouvez voir, je l'ai bien dévoré parce que j'adore. Ça se lit hyper bien, j'adore l'histoire, les personnages sont intéressants. Et voilà. Et du coup, je compte bien le finir cette semaine. Et je sais que le tome 2 est déjà sorti. Donc je ne sais pas c'est en combien de tomes. Mais franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc voilà pour démarrer la semaine. Voilà mon petit Snow. D'ailleurs, ça fait un moment que je ne lui ai pas donné de ses nouvelles, mais il va un peu mieux. Voilà, ça fait déjà quelques semaines qu'il ne prend plus rien. Et j'ai pas de mauvaise surprise non plus. Donc j'ai l'impression que les croquettes commencent à marcher. Donc ça, c'est trop cool. Voilà, je l'embête plus avec les médicaments parce que franchement, il n'en pouvait plus. Voilà, il était rendu à, voilà, à limite me grogner dessus à chaque fois qu'il me voyait arriver avec les pipettes, les médocs et tout ça. Donc j'espère qu'on est sur la bonne voie. Ah Mimi, tu crois. Tu fais tes coucous. Et puis là, voilà, c'est le mauvais temps. Donc voilà, mes chats sont beaucoup calés dans des petits recoins pour se mettre au chaud. On voit que voilà, la saison de l'automne est bien démarrée. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère pouvoir colo cette semaine. Est-ce que j'en ai fait la semaine dernière? Je n'ai pas beaucoup colo. Et bah, ce week-end non plus, du coup, puisqu'on n'était pas là. Donc voilà, donc j'espère que cette semaine, je vais pouvoir ouvrir quelques livres. À voir, donc je vous prendrai un peu plus tard pour vous montrer un peu l'avancée de mes colos et faire la pack que je n'ai pas encore faite pour le mois d'octobre. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard.
Hello, je reprends, on est vendredi et ça y est, je vous ai enfin fait ma Pâques pour le mois d'octobre. Et comme vous avez pu voir, j'ai pas mis beaucoup de colons mystères cette fois-ci. J'ai toujours donc mes duos et ensuite j'ai pris que trois livres. Voilà, j'ai fait ça parce que comme vous avez pu voir, mois dernier, j'ai fait pas mal de contours noirs. Du coup, je me suis dit que j'allais aussi me consacrer à la mise en couleur de tous ces contours. Donc, je ne les ai pas notés parce que je vais les prendre au fur et à mesure selon mes envies pour remplir donc, ceux qui sont déjà faits. Voilà pourquoi je ne les ai pas notés. Donc, je vais un peu prendre comme ça vient, selon mes envies. Et j'ai quand même fait une sélection d'un ou deux livres dans lesquels les contours ne sont pas faits que j'ai envie d'aller. Voilà, j'ai également fait une sélection de livres non mystères, comme vous avez pu voir. J'ai été ambitieuse, hein, c'est clair, je pense que je ne ferai pas tout ça. Mais voilà, j'ai fait quelques sélections, ça va me permettre de refeuilleter et d'en sélectionner un. Mais voilà, j'ai bien envie de repartir dans des colos non mystères, donc voilà pourquoi j'en ai sorti plusieurs, et beaucoup de Kaby Rosanne du coup, hein. Voilà, donc pour l'instant je suis dans mon tome 11 et j'ai enfin commencé la mise en couleur du vieux Rafiki. Voilà, depuis le temps que j'avais envie, donc là il est fait, il ne me reste plus que le fond. Je l'ai goûté, j'ai pas mal de traces. C'est vrai que j'ai pris les aquamarqueurs. Les nouveaux, je trouve qu'ils font beaucoup de traces et en plus de ça, voilà, j'ai les mains qui tremblent en ce moment, donc ça n'aide pas. Mais tant pis. Une fois fini, je pense que ça ira mieux. Ça sautera peut-être un peu moins aux yeux, mais c'est pas grave. Ça reste du mystère, comme je vous l'ai déjà dit. Hein, c'est à la base pour me détendre. Bien que voilà, j'ai beaucoup de mal parfois à détendre mes muscles. Hein, ça, moi, j'y peux rien. Mais ça me fait du bien de mettre dans le colo parce que c'est tellement rare ces moments où je suis dans ma bulle que tant pis si je fais des colos avec plein de traces. C'est pas grave. Donc voilà, donc je vais essayer de finir celui-ci aujourd'hui. Puis ben, je vous montrerai un peu plus tard dans quel livre j'irai par la suite. Peut-être que je ferai le suivant qui est là, je ne sais pas encore. En tout cas, je vais commencer par finir celui-ci. Bon ben, je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard. Hello, je vous reprends. On est dimanche et je vous prends avec un nouveau colo. Hop, ça y est, je me suis lancée dans le Tac Mascarade. Et du coup, j'ai choisi le portrait vampire avec le chat. Donc, j'ai commencé le fond avec mes crayons aquarellables. Donc là, j'ai juste mis deux teintes. Voilà, comme il n'y a pas beaucoup de fond, je laissais comme ça, je verrai une fois que c'est fini. Et j'ai commencé la couronne et j'avais envie de quelque chose de gris métallisé. Donc, j'ai pris le argent de Prismacolor. Avec un peu de noir et de blanc pour faire un peu de contraste. Et puis voilà, donc mon idée de base, c'est quelque chose de très sombre avec une seule couleur. Donc je ne sais pas si je vais partir sur des joyaux soit bleu, soit rose, violet. On verra quand toute ma base sera terminée. Mais voilà, je suis contente d'avoir commencé celui-ci. Et bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. J'ai terminé mon mystère dans le tome 11, ça y est, j'ai fini mon rafiki et je poursuis les autres où j'ai un peu commencé à mettre en couleur. Donc, je pense que là, je vais faire un petit peu de mystère. Je vais faire une pause parce que, mine de rien, la couronne est très très longue et hyper dense et compliqué à séparer les éléments. Vous voyez, quand c'est tout blanc, en fait, je sais pas si je vais en trouver une autre là. Par exemple, voilà, quand c'est tout blanc, je trouve que c'est difficile d'isoler les petits éléments pour savoir quoi mettre en couleur. Donc là, j'ai fait le tour et j'ai mis le fond. Comme ça, j'y vois beaucoup plus clair. Et voilà, j'avance au fur et à mesure. Et je vais voir où je mets les couleurs par la suite. Voilà. Donc sur ce, bah, je vais vous laisser là puisqu'on est dimanche. Je vais clôturer ce vlog maintenant. Puis bah, j'en ouvrirai un autre dès demain, je pense. Pour vous montrer si j'ai avancé. Bon, sur ce, ben, je vous laisse. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une très belle semaine et de très bons colos. Ciao, ciao!